Et yo tout le monde, c'est Quentin24 et on se retrouve pour une nouvelle vidéo du Mans Classique. Cette vidéo sera le Mans Classique plateau 1, parce que maintenant on arrive sur les plateaux. Avec une petite chute. Voilà. Il est content parce que... Jonathan Turner qui va lancer la mécanique. Allez, c'est parti. Oula. Allez, le BMW 54 000 euros avec une 30, aïe, c'est quatrième. Donc ça sera la dernière vidéo hein, de la journée. Parce que voilà, j'ai autre chose à faire là. Hein. J'ai bientôt. On a une rallye qui est Sprite et qui avait un peu du mal à se lancer. C'était la 0,78. Voilà, ellipse, on se retrouve pour le départ. Il y en a un qui a l'œil. Hein. C'est parti pour 43 minutes. Et on a les avions de tout à l'heure qui repassent par là. Mais je pense vraiment que ça sera la dernière vidéo de la journée.
Attendez, je vais aller plus loin. Je vais rester dans la zone, mais je vais aller plus loin. Je crois que je vais pas bouger d'ici de toute la course. Il faut que je vous montre ce qui se passe quand c'est la fin. Et c'est ici que ça se passe. On voit à quoi ressemblaient les voitures de l'époque quand même. Ça, ils font pas de bruit, on les entend pas. La BMW numéro 54 arrive maintenant à Hamilton. Hamilton et Vous déroulez 65, 0, 70, 0, 70, 0, 70, 0, 70, 0, 70, 0, 70, 0, 70, 0, 70, 0, 70, 0, 70, 0, 70, 0, 70, 0, 70, 0, 70, 0, 70, 0, 70, 0, 70, 0, 70, 0, 70, 0, 70, 0, 70, 0, 70, 0, 70, 0, 70, 0, 70, 0, 70, 0, 70, 0, 70, 0, 70, 0, 70, 0, 70, 0, 70, 0, 70, 0, 70, 0, 70, 0, 70, 0, 70, 0, 70, 0, 70, 0, 70, 0, 70, 0, 70, 0, 70, 0, 70, 0, 70, 0, 70, 0, 70, 0, 70, 0, 70, 0, 70, 0, 70, 0, 70, 0, 70, 0, 70, 0, 70, 0, 70, 0, 70, 0, 70, 0, 70, 0, 70, 0, 70, 0, 70, 0
France then, number two, is still the Talbot AV105 of Burnett and Birch. Number two with a lead of just under 15 seconds from the first of the BMW 328 Roadsters, Albert Otten, with a lovely silver 54 BMW 328, the car that raced here in Syria for their car. Ouais, je confirme qu'après cette course, moi je vais rester là pour cette journée au moins classique. Donc je vais vous laisser dans les commentaires si vous voulez que je revienne ou pas. Si vous voulez que je revienne ou pas, je vous laisse le choix. Moi personnellement, ça me dérange pas, mais c'est bien d'y aller, mais une journée quoi. Après, c'est largement suffisant. Une journée, c'est largement suffisant en fait. On a vite fait le tour. Donc je vais faire une ellipse dans 3 minutes. Je vais rester ici et puis on va tourner la fin quoi. Moi j'en prends énormément, même l'année dernière aussi, donc je prends cette autre aussi et j'adore ça. Merci Raphaël, voilà, donc tu as bien suivi du bien mon cher Bruno, oui, j'ai juste un petit top un tout petit peu rapide. Alors Raphaël, Wow.
Bah rien, on se retrouve plus loin. Plus tard. Ouais, bah, il reste 10 minutes maintenant. De toute façon, je vais pas avoir le choix d'arrêter. Parce que mon téléphone est en surchauffe. J'imagine que vous voyez qu'il y a quelques petits lags. Voilà. Donc, de toute façon, je vais arrêter. J'ai passé la journée ici. Je suis arrivé à 9h. Il est 18h là. Ça fait 9. Ça fait 11h que je suis là. Non, 11h. 10h que je suis là. Attendez. Je suis arrivé à 9h, il est 18h. 18 moins 9. Ah oui, 18 moins 9, ça fait 11. Oui, voilà. Au limite, si je dois faire un dernier petit truc, ce serait le musée. À la limite. Mais c'est tout. Parce que le musée, il a eu le droit à ses petites modifications et c'est gratuit. À la limite, je vais vous poser la question dans les commentaires. Voulez-vous que j'aille au musée ? En sachant que je l'ai déjà fait il y a 2 ans et que c'est à peu près pareil, c'est juste la fin qui a changé, qui est spécial centenaire, c'est tout. Donc dans les commentaires ou dans le chat direct, est-ce que vous voulez que je fasse une nouvelle visite du musée des 24? À vous de voir dans les commentaires. Évidemment, le musée, il est ouvert jusqu'à demain. Jusqu'à demain, 20h15, je crois, à cause de ce qui se passe actuellement. Faut me le dire avant. Après, le musée, voilà, on a vite fait le tour aussi. Surtout, c'est juste pour aller voir la fin. Combien de batterie il me reste pour que ça lague autant? Attendez, je vais le brancher. Ah oui, d'accord. 15%. Ok, très bien. En plus, allez. Ouais, je vais arrêter là. Il y a 8 minutes. Il reste 8 minutes.
Puis en parlant des 24 heures du Mans, puisqu'on est sur le sujet, y a les 24, là, la chaîne YouTube des 24 officielle, qui est en train de publier les 24 heures du Mans sur le site. Si vous avez raté des trucs, c'est le moment de regarder. C'est sur YouTube et c'est gratuit. Que demande de pub ? Rien du tout. Par contre, je vais dire ça, mais vous avez mal fait. Vous aurez pu décaler, vous avez tout mis en même temps. La partie 1, la partie 2, la partie 3, en direct, enfin en première, au même moment. Donc bon. Je sais pas. Mais il reste 4 minutes. Donc si je dois faire un commentaire, mon avis sur les allemands classiques. Que si vous voulez pas que je revienne, je reviendrai pas. Hein. C'est cool, mais une journée suffit. Voilà. C'est intéressant, quoi. C'est bien de voir des vieilles voitures rouler. Je suis d'accord sur ce point-là. Mais pour moi personnellement, il y a que le groupe C qui est bien. Parce que c'est le groupe Z, et du coup, bah voilà, il y a l'Endurance Cup là qui réunit toutes les voitures de l'année 2000, donc ce qu'on a vu ce matin. Et puis après, il y a le reste, quoi. Les plateaux qu'on est en train de regarder, c'est à peu près des voitures qui n'ont pas forcément gagné les 24 et qui ont. Parcouru, qui ont participé, c'est bien mal, mais bon. Les plateaux, c'est pas l'air très intéressant. Je l'ai fait parce que, premièrement, c'est le centenaire des 24, donc forcément, ça permet de découvrir. Mais maintenant que j'ai mon avis, je le ferai pas tous les ans. Genre l'année prochaine. Peut-être pas y aller, peut-être pas envie. En plus, il y a des lives du Mans Classique sur YouTube, donc il y a tout ce qu'il faut hein, pour le suivre. Le Mans Classique, c'est pas un problème. Hein. Là, le Mans Classique en live sur YouTube. Actuellement, la chaîne des 24 est en train de publier la course. En français et en anglais, donc les lives pour Mans Classique c'est en français et en anglais.
Et que demande le peuple hein. Il reste une minute. Mais quand même, je tiens à rappeler quelque chose, hein. Quelque chose d'important. Sans les commissaires de piste, il n'y aurait pas de course. Et ils vont bien faire ce que je pense. Donc on va rester ici. Au final, j'aurais fait quoi, 6 vidéos du Mans classique. C'est pas mal, j'aurais montré le principal. Attendez, 6. Attends, j'ai fait l'Endurance Cup. J'ai fait ce qu'il y avait après. C'était Porsche. Ils font les Porsche. Il y avait quoi après? Après ça, il y avait... alors... Il y avait le groupe C. La parade des victoires des 24, qui était important. Le Bentley, là, qui a vu tout à l'heure. Et là, c'est la sixième vidéo, ouais. Sixième vidéo du Mans classique, plus la celle d'hier, donc cette vidéo du Mans classique, ça. Puis je vous ai posé des interrogations. Si vous avez les réponses, ça me va. Par exemple, c'est quand les 24 heures du Mans, les 24 karting. Les 24 heures du Mans karting. C'est un truc correct. Ah, voilà, c'est fini. Bon bah voilà, c'est fini hein. On va laisser toutes les voitures passer et puis je vais arrêter là pour cette vidéo. Voilà. Donc je pense qu'on a encore 10 minutes de vidéo. Je pense qu'on va s'arrêter bientôt là. Donc si vous avez aimé, vous pouvez laisser un pouce, un commentaire, un abonnement. Si je refais pas d'autres vidéos, je vais vous annoncer ce qui est prévu sur la chaîne.
Donc au mois de le 10 juillet, vous allez avoir quelques petits trucs. Parce que pour les nouveaux abonnés, je donne les infos, pour les nouveaux abonnés qui sont abonnés pour les 24, au mois d'avril, je fais un truc qui s'appelle le Titanic Voyage RPG. C'est un jeu sur le thème du Titanic, je pense que vous connaissez tous le navire, un submersible qui a coulé. C'est un jeu qui fait le voyage et tout. Sauf que c'est un jeu qui se déroule en avril chaque année. Sauf que j'ai fait le naufrage, j'ai fait en live et tout. Sauf que des droits d'auteur sont passés par là. Et j'ai dû les retirer. Je les ai supprimés de ma chaîne et voilà. Sauf que maintenant, on peut les publier. Donc je vais les remettre. Donc vous allez en avoir une le 10, une le 11. Parce qu'il y a 2002, je l'ai fait, et cette année 2023. Je vais les remettre, c'est obligé, je vais les remettre. C'est comme ça. Je vais remettre ces vidéos-là. Parce que ces droits d'auteur m'ont saoulé, mais les droits d'auteur se sont envolés. Parce qu'en fait, pour être plus précis, quand c'est le film, quand le jeu était disponible, le film La Titanic était ressorti au cinéma. Donc droits d'auteur à fond, let's go. Alors que les YouTube, vous pourrez regarder ce que vous... les vidéos avant de mettre des droits d'auteur. Non, il n'y a rien à foutre. Bon, bref. Mais maintenant, il y a ça à disparu. Donc le Titanic Voyage RPG va être retour sur la chaîne entre le 10 et le 15 juillet. Voilà, déjà pour commencer. Ensuite, le 11, vous allez avoir le highlight des 24 heures du Mans 2023 que j'ai fait. Vous allez voir, c'est une petite vidéo qui dure quoi, 13-14 minutes, qui est bien. C'est un genre de petit montage. Voilà, mais bon, cette année, clairement, le 24 heures du Mans de cette année, il y a eu beaucoup de sorties de piste. Hein. Comparé à l'année dernière où il n'y avait rien, quasi rien, là, ça n'a pas arrêté. J'ai dit hier, une bonne partie déjà à mon nom, c'est DGT, les slow zones, c'était mal fait, les safety cars, c'était beaucoup trop long. J'ai passé un bon centenaire, mais... Voilà. Et puis évidemment, hein, pour ceux qui aiment les 24 heures du Mans, j'ai prévu de publier les courses du WEC. Donc les 1000 miles de Sebring, y a eu les 6 heures de Portinao, les 8 heures je sais plus. Non, c'est 6 heures. Les 6 heures de Spa. Le Mans, je peux pas. Cherchez pas, j'ai pas les droits. Il va y avoir il va avoir les 6 heures de Monza, je crois, qui va pas tarder et tout. Toutes les courses du WEC, sauf le Mans, seront sur ma chaîne secondaire. Mais je les publierai en fin d'année. En fin d'année. Pas là maintenant parce que c'est trop tôt. Mais vous les aurez sur ma chaîne secondaire en fin d'année. Ce qui est prévu, c'est que vous avez une séance d'essai, les qualifs. Et la course, tout en intégralité et en français. Voilà. Hop là. Enfin, en français, je suis avec les commentateurs d'Eurosport. Donc bon, voilà. Et j'ai les droits d'Eurosport, donc voilà. Donc voilà. Sinon, évidemment, on se retrouvera pour les 24 heures du Mans 2024, hein, évidemment. Je vais y aller, hein, c'est obligé. Le Titanic Voyage RPG 2024, le Britannic Voyage RPG 2023, qui est une suite au Titanic, mais c'est pas la même chose. Voilà, et puis c'est tout. Et peut-être d'autres vidéos fun en plus, mais genre du loup-garou que je faisais avant, mais là c'est plus le temps. Je fais du loup-garou de temps en temps, donc voilà.
Donc on va en rester là pour cette vidéo. Pouce, commentaire, abonnement, page Facebook dans la description. Et voilà, et on va se retrouver dans une prochaine vidéo. Portez-vous bien. Et on va attendre que tout le monde entre. Et puis bah restez comme vous êtes. Vous êtes super. Bye tout le monde. Is the BMW 154. Now, here, looking at the screen continuously, we saw the Talbot, the number two, out in the lead by 35-30 seconds. It's showing now his third place, and we have not seen the penalty on the screen. So, a positive score. Here we go, 54. Is the winner, BMW 328 for Albert Otten, race winner in Plateau on Grid 1 and racing on the second place, number 15, the other Talbot 8105 in the leading group, and that's the South and Valley next car. Number 15 in second place, with a 25 second gap to BMW. In turn number 2. Now comes the Talbot 8105 of Burnett Burns, Gareth Burnett, and Michael Burns, as we thought, and one, showing the third place. In fourth place, number 40, the Aston Martin speed model of Stephen Skipper and James Keaton. And this is the Aston Martin fourth, and fifth as well, the number 42. The number 42. Edward and Richard Bradley, the Ulster from 1936, Aston Martin 4-5. Voilà, c'est fini, ils sont tous rentrés. Allez, restez comme vous êtes super, bye tout le monde. That's the top six, and we'll try to get to the bottom of what happened to the Burnett Burns. Our number two came third, so it's on the radio. Allez, salut !